Bonjour à tous, comme moi vous regardez et vous écoutez beaucoup de musique sur YouTube ou d'autres sites, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour économiser votre bande passante et donc du coup utiliser moins de sur votre forfait pour déjà payer moins cher et puis après pour faire un petit geste pour la planète. Donc voilà, c'est parti. Alors, tout d'abord, vous avez une première option de la part de YouTube. Vous pouvez aller dans qualité, vous pouvez réduire eh bien, la qualité, car je pense que quand vous regardez, eh bien, vous regardez une vidéo, vous n'allez pas forcément regarder la vidéo en elle-même, mais plus écouter. Ou alors sinon, sur les téléphones mobiles ou sur les tablettes, vous avez une option environnement, donc réduire ma consommation de données. Donc là c'est YouTube qui va ajuster lui-même la qualité de la vidéo et de l'audio pour pouvoir justement que vous économisiez de la bande de données. Après, si vous voulez faire avoir un plus grand geste en quelque sorte, je vais vous montrer tout de suite comment vous pouvez faire. Alors, vous pouvez vous rendre sur le site mp3y.download. Là, vous allez mettre l'URL de votre vidéo, vous allez le coller et vous allez tout simplement faire télécharger. Alors là, ce que cela va vous faire, c'est que cela va vous mettre en MP3 et pas en MP4. Donc ça va économiser encore plus. Et une fois que vous aurez téléchargé, ça sera présent sur le disque dur de votre ordinateur. Et donc du coup, à chaque fois, vous n'aurez plus à télécharger justement votre vidéo sur Internet. Là, vous ouvrez directement sur votre ordinateur, vous faites télécharger et ça vous télécharge. Voilà. Donc, j'espère que cette première vidéo sur comment économiser la bande passante de données et comment faire un geste pour l'environnement vous aura plu. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !